Les agents de la police municipale, les femmes balayeuses ainsi que les organisations de la société civile ont pris d'assaut très tôt le matin l'avenue Jacques Nadingar pour la rendre salubre. Le premier magistrat de la ville d'Ndjamena situe le contexte de la journée de la citoyenneté. Nous lançons cette opération sur l'avenue Jacques Nadingar jusqu'au palais de la démocratie. Je crois que c'est une journée citoyenne et nous allons nous déployer tous les samedis comme ça. Et également nous avons l'appui des jeunes, des associations de jeunes qui se sont joints à nous. L'opération va se poursuivre non seulement sur l'avenue Jacques Nadingar, mais dans toutes les avenues. Le maire de la ville d'Ndjamena a saisi cette opportunité pour attirer l'attention des vendeurs de sable qui occupent anarchiquement la voie et causent des torts aux usagers de cesser avec cette pratique. Le goudron, ce n'est pas un garage. Tout ce qu'on ici, ce n'est pas un centre où il faut vendre des sables et des briques. Ça ne se fait pas comme ça. Donc c'est pour vous dire que cette action sera suivie. Désormais, cette voie, vous ne verrez plus ces choses. Et la police municipale multipliera le contrôle jour de nuit. Omar Boukar a en outre exhorté les citoyens à accompagner les communes dans leur mission afin de rendre la ville propre.